Salut tout le monde, alors ça va bien? Alors les points de levée sur une Renault Espace 3 pour un cric manuel, où est-il? Manuel, où est-il? Voilà, la blague de merde. Donc a priori, il semblerait bien que c'est ce petit bitonio. Hein. Mais ce qui m'emmerde, c'est que bah, y a la carlingue là juste devant. Quand je vais mettre le machin là, hein, on va bien voir ce qui se passe. Mais bon, semblerait bien que ce soit ça parce que il y a la même chose à l'arrière. Hop là, ce que tu vois, tac, ici. Donc c'est pas fameux comme truc, mais voilà, c'est ça. Donc je pousse, je lève, je vois si ça casse, et si ça casse, je te le dis. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite. Bon bah écoute, a priori il semblerait que ce soit bien ça, hein. La carlingue elle lève pas plus que ça, c'est bien calé ici, donc c'est ça, hein. Par contre c'est la merde à lever cette bagnole, hein. Je suis presque tout ça de cric et la roue touche encore par terre, donc c'est bien casse-pied. La garde de sol est vraiment chiante, hein. C'est une bagnole, elle est sympa, mais pour ça c'est vraiment la merde. Bon, une fois qu'elle sera levée, on regardera en dessous si on voit le point de pour les crics hydrauliques et l'emplacement des chandelles, donc à faire. Ouais, donc bah, c'est bien ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, hop là, est-ce que tu vois? C'est bien sur la carlingue, il n'y a pas de problème. Tac. Et je l'ai bien posé comme ça. Par contre, pour ce qui est du cric hydraulique, j'en sais fichtre rien. Bon, de toute façon j'en ai pas, donc c'est pas très grave, mais comme je t'en acquérir un. Bon, bah écoute. Hein. Peut-être sur les coups là-bas. Lever, je sais pas. Bon, bah, s'il y a quelqu'un qui sait, qui me le dise. Ah. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour l'instant. Faut que je répare ma roue, elle est crevée. Je vais te mettre une mèche. J'ai fait un tuto mèche, hein. S'y référer. Et puis, ma foi, voilà pour le moment. Allez, sur ce, je te dis. Bon week et à la semaine prochaine. Bon ben je maintiens que c'est là, mais il va falloir le cric d'origine pour pas faire de merde, parce que là j'ai un petit peu tout défoncé. Voilà, tout simplement. Chouette, super. Bon. Si je le faisais pas, je roulais plus, hein. Donc en même temps, voilà. Moi, j'aurais préféré le faire sans tout péter, hein. Évidemment. Bon, ben voilà, merci. Ciao.